Bonjour et bienvenue à l'Hebdo Minute, où David Kuhn, député de Fredericton Sud et chef du Parti Vert du Nouveau-Brunswick, explique ce qui s'est passé durant la dernière semaine dans une minute ou moins. Allons-y. Cette semaine, le CBC a remis en cause le mystère entourant le comité d'examen des décès d'enfants. Le problème est qu'il n'y a presque pas de transparence ni de responsabilité associée au comité. Je demande au gouvernement d'établir un comité permanent de l'Assemblée législative pour les enfants et des jeunes. Aussi, cette semaine, le gouvernement a adopté ma motion que j'ai déposée pour assurer que les députés ont un code de déontologie. Cette motion commencerait le processus de clarifier les rôles et les responsabilités des députés à l'Assemblée législative. Les championnats de hockey masculin universitaire sont cette semaine à Fredericton. C'est avec fierté que j'ai présenté au joueur Elgin Pierce de l'Université de Calgary le prix pour le meilleur esprit sportif. C'est tout pour aujourd'hui. Pour plus d'infos, consultez les détails de ce vidéo. Et branchez-vous ici encore la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'Hebdo Minute. La semaine prochaine, à l'Assemblée législative, nous débattrons deux projets de loi importants sur les pouvoirs des collectivités. Demeurez à l'écoute.